blanchiment traité, le déglaçage au jus d'orange avant de mettre dans le bouillon. Voilà. Et après, on fait tout cuire, mais très peu de minutes, hein, 30 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de la soupe en général ? Je suis très partisan de la soupe et je regrette infiniment que ça soit un peu passé de mode. Car je trouve que pour le dîner, la soupe, un fruit, un morceau de fromage éventuellement, ça fait un dîner absolument parfait. Et toutes ces soupes à base de potimarron, c'est une mode pour vous ? Mais non, c'est typiquement un produit de saison. Mais Et puis économique. Économique, oui, si on a du potiron dans son jardin, voilà. Et que c'est pratique et qu'on peut en faire, mais c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est tout gracieux, donc il faut rajouter ou du poireau, il faut rajouter un peu de céleri, ou il faut. J'ai eu quelques soupes qui m'ont très très intéressé quand même. Lesquelles? Ben, je ne vais pas vous donner le numéro, mais je vous donnerai. On publiera le résultat. Franchement, il y avait 4-5 soupes qui sortaient nettement d'ordinaire. Ouais. Mais vous voyez, la soupe, c'est pas n'importe quoi avec de l'eau chaude quand même. Il ne faut pas oublier ça. Ça demande une petite gamberge. Ouais. Idéal, c'est de faire une soupe à partir d'un bouillon de légumes ou d'un bouillon de volaille ou d'un bouillon de bœuf. C'est ça l'idéal. Ouais. Et tu es content de rencontrer Jean-Pierre Koff ? Eh ben, tu sais qui c'est ? Un jury.